Alors Usul, depuis quelques semaines, c'est devenu un identitaire Kanak. C'est un peu bizarre, on ne sait pas trop pourquoi. Et bah là, il va quand même très très long parce qu'il commence à nous parler de remigration des populations blanches de Nouvelle-Calédonie. C'est parti. Voilà, reconnaître qu'il y a des similitudes entre les deux situations, c'est reconnaître que, bah oui, va peut-être falloir partir. La décolonisation, parfois, c'est ça, faut rapatrier les colons, quoi. Alors, pour contextualiser, là, il parlait en fait des similitudes entre la guerre d'Algérie et puis la situation en Nouvelle-Calédonie. Et c'est marrant parce que d'un seul coup, les mecs, ça devient vraiment tous les deux, ils deviennent très, très radicaux d'un seul coup. Dès qu'il s'agit de leurs concitoyens français, ils deviennent très radicaux. C'est bizarre, même plus radicaux que nous, finalement. Tous. Tous, Christine. Tous. Et oui, à l'époque, pour l'Algérie, on a rapatrié les colons, même ceux qui étaient nés ici. Bah oui, c'est terrible, mais c'est comme ça. Vous préférez quoi, en fait? Vous préférez soit la ségrégation, on continue la ségrégation, on fait une guerre civile complète, on les écrase dans le sang. Parfois, le rapatriement, bah, c'est la solution la plus humaine. Sauf quand... On dirait vraiment qu'il parle de la situation en métropole, je veux pas dire, mais... Et quand nous, on dit que la remigration peut être une situation... peut être le moins pire, finalement. On dit la même chose. On dit exactement la même chose. D'accord? Mais il y a une petite différence. C'est que les Caldoches, les Blancs de Nouvelle-Calédonie, ont tout construit en Nouvelle-Calédonie. C'est ça la différence. D'accord? Un peu comme les Blancs en Amérique. Ils ont tout construit. Donc d'un côté, ok, ils ont en quelque sorte, ils se sont accaparés les terres, mais le pays, l'État, c'est eux qui l'ont bâti, quoi. Avant, il n'y avait rien. Kanaki, contrairement à ce qui s'est passé en Algérie, le peuplement a déjà bien avancé. Aujourd'hui, les Kanaks sont minoritaires, ils ne représentent plus que 40% de la population. Donc à ce moment-là, on peut les écraser politiquement en invoquant la démocratie. Bah c'est marrant parce que ce que tu appelles la démocratie et ce que tu appelles l'écrasement, on va dire, politique des populations kanak, c'est exactement ce qui se passe en Seine-Saint-Denis. Là où tous les deux, qui étaient des sympathisants LFI, toutes les mairies du 93 sont détenues par des maires LFI. C'est quand même bizarre, hein. Et là, ça ne vous dérange pas, et même, vous allez même plus loin, parce qu'évidemment, que vous encouragez l'immigration de peuplement, parce que au-delà même de faire vos affaires, c'est votre projet, très clairement. Oh oui, la démocratie, bonne idée, tiens. Tous les gens nés après 1998, même s'ils sont en Nouvelle-Calédonie depuis des Ah, même s'ils sont nés générations, sur place. même s'ils sont nés sur place, ne peuvent pas voter parce que c'est comme ça. Parce que c'est comme ça. Oui, forcément, si on n'explique rien, ça fait bizarre, oui. S'il y a bien un sujet qui mérite de la contextualisation, c'est bien celui de la situation coloniale en Kanaky. Mais vous voyez que c'est difficile, et c'est d'autant plus difficile quand on se refuse à parler de colonisation, à appeler un chat, à appeler les colons des colons. Ah, mais on peut pas dire colons, parce que des gens comme Nicolas Metzdorf ou Sonia Backès, ils sont nés là-bas. Donc tout le monde est français, tout le monde est calédonien. Il n'y a plus de colonisés, il n'y a plus de colonisateurs, c'est bon. Alors... Je rêve, le mec se rend même pas compte de son discours. On dirait qu'il parle de la métropole, quoi. Hein, on est les premiers à dire que ouais, tout le monde il est français, n'importe qui débarque en France, il est français, c'est n'importe quoi. Et là, d'un seul coup, là, quand même, il parle de familles de Caldoches, les Caldoches, c'est les Blancs de Nouvelle-Calédonie, qui sont là-bas depuis 160 ans, 180 ans, quoi. Depuis très longtemps, en tout cas. Et pour eux, ils sont pas néo-calédoniens. Par contre, le premier Congolais qui débarque sur le territoire français, alors lui, il est français automatiquement. Il est autant français que vous et moi, voire même plus. Hein, parce que maintenant, ils disent que les fachos, bah, la France, c'est pas vraiment notre pays. Hein, ça nous partir. C'est quand même assez ouf. Et encore une fois, les Caldoches ont fait la Nouvelle-Calédonie. Hein, la Nouvelle-Calédonie n'était pas un État à l'époque. Hein, je vous signale, hein, juste. Et puis, sachant que l'immigration en France est contraire. Je veux dire, on dit que l'immigration a bâti la France. Ça, c'est la propagande un peu stupide. Alors, c'est totalement faux. Bien avant l'immigration, la France était même la première puissance mondiale. Donc, pour vous dire, ça n'a un peu rien à voir, quoi. Combien de générations il faut pour ne plus être un colon? On ne sait pas. Par contre, tant qu'il y a une... Et combien de générations il faut pour être un Français? Parce que bah, nous aussi, on ne sait pas, parce que ça dure, ça dure. Là, on est à la 3e, 4e génération, ça ne veut toujours pas matcher. C'est un peu bizarre, quand même. Situation coloniale, il y a des colons. Bon, bah là, la situation coloniale, elle est assez évidente. Bah oui, comment sont traités les Kanaks? D'égal à égal? C'est peut-être vrai dans la loi, mais ça n'est pas dans les faits. On a des... Moi, je vais vous dire ce qui va se passer si les Kanaks obtiennent leur indépendance, ce qui ne va pas arriver. Mais qu'est-ce qui se passerait si ça arrivait? Bah, les Kanaks auront leur indépendance, d'accord. Mais bah, le lendemain, toutes les boîtes, tous les capitaux se barrent de l'île.
parce que les boîtes et les capitaux sont détenus évidemment par des Français. C'est comme ça. Et donc, plus d'emplois, plus rien. Ça va être très, très compliqué, je vous le dis. Hein. Les indépendants jusqu'à Canax, si vous m'écoutez, ça va être très compliqué. Bon, en tout cas, bah, abonnez-vous, les gars. Comme d'habitude, on souhaiterait atteindre les 100 000 très, très bientôt. Ça ferait extrêmement plaisir. Ça coûte rien. Lâchez votre plus grand like. Et puis, encore une fois, on le répète, mais la seule boussole idéologique de la gauche, c'est vraiment la haine de la France et des Français. Ils prendront toujours le parti des anti-français, que ce soit des islamistes ou des indépendantistes kanaks ou guadeloupéens ou que sais-je encore. C'est pas le problème, les gars. Bon, en tout cas, votre plus gros like, abonnez-vous, ça fait plaisir. Et vive la France, les gars. Bon, en tout cas, bah, abonnez-vous, les gars. Comme d'habitude, on souhaiterait atteindre les 100 000 très, très bientôt. Ça ferait extrêmement plaisir, ça coûte rien. Lâchez votre plus gros like. Et puis, encore une fois, on le répète, mais la seule boussole idéologique de la gauche, c'est vraiment la haine de la France et des Français. Ils prendront toujours le parti des